Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, je lis au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Encore une fois, nous sommes dans la continuité. Ces exhortations, cet enseignement, cette consolation, qui est, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, elle a une mission. La mission de la vérité, c'est affranchir quelqu'un. Et il faut que tu saches l'importance de la vérité. Une personne qui dit la vérité ne force pas dans sa vérité. La vérité elle-même a toutes les forces possibles de ramener la délivrance, de s'imposer et révéler que réellement c'est la vérité. Si vous avez un problème dans la famille, dans tes affaires, dans ton église, j'aimerais te dire une chose. Le plus grand secret qui apporte la solution, c'est la vérité. Nous avons compris que le contraire de la vérité existe aussi. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Donc, sachez qu'il y a aussi des mensonges. Et quand on parle de mensonges, sachez qu'il y a la vérité. Ce sont des choses qui marchent ensemble. Vous voyez la femme, vous voyez l'homme, vous voyez l'homme, vous voyez la femme. Là où il y a la vérité, le mensonge ne viendra pas. Là où il y a le mensonge, la vérité peut venir pour chasser le mensonge. Donc là où il y a la vérité, le mensonge ne s'amène pas. Le mensonge s'amène quand il y a un vide. Mais là où il y a le mensonge, la vérité vient. Le mensonge n'a jamais supporté la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cherche dans ta vie, frère. Ne cherche pas à écouter les hommes. Ne cherche pas à écouter ton mari. Ne cherche pas à écouter ta femme. Ni à écouter ton pasteur. Écouter ton enseignant. Mais le souci que toi tu dois savoir, tu dois chercher. Je dois chercher la vérité. C'est pourquoi ces gens-là ont posé la question, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'ils avaient besoin de connaître. Je voudrais vous dire ceci. La vérité, c'est la lumière.
Donc là où la lumière vient, la lumière vient pour éclairer la paix, pour chasser les confusions, chasser la confusion. Donc la vérité, il est très 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 important. Nous venons de lire un verse. Comme je le disais hier, la vérité, et j'ai répété hier que l'écriture est une puissance et ne trahit jamais l'écriture. Même au détriment de soi-même, ne détruit jamais l'écriture. L'écriture est belle. L'écriture justifie. L'écriture guérit. L'écriture justifie. Dans ta maison, dans ton église, dans tes affaires, attache-toi à l'écriture. L'écriture ne te laissera jamais. L'écriture ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi vous verrez que Satan est venu rencontrer Jésus. Dans sa prière, la première des choses, il est écrit. Jésus va lui dire aussi, il est écrit. Mais regardez, vous savez pourquoi il est écrit que Satan n'a pas eu la force. Parce que quand Satan se met à lire l'écriture, il n'a pas lu toute l'écriture. Parce que si Satan lisait l'écriture dans son intégralité, ça allait tourner contre lui-même. C'est pourquoi son écriture n'a pas eu de force. Je demande encore à tous les bien-aimés qui sont ici, ma sœur, mon frère, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la situation, attache-toi à l'écriture intégralement. Dieu va te justifier. Dieu va faire que tu sors vainqueur. Dieu va t'élever et tu n'échoueras jamais dans ta vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Je souhaite le dire. Je suis dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, en lisant l'écriture, en mettant l'écriture en pratique, je souhaite dire que c'est ainsi que tu réussiras. Donc, le secret de la réussite est dans l'écriture. Non, le secret de la réussite n'est pas dans un cabal, dans un complot, dans un calcul, dans les affaires, dans les réseaux. Jamais. Donc le secret de la réussite pour un enfant de Dieu est dans l'écriture. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, quand vous vous amenez auprès de lui, vous lui parlez, il va te poser la question, c'est écrit où? Ce que tu fais là, c'est écrit où? Pour s'assurer que, comme je suis dans l'écriture, je vais réussir. Mais un enfant de Dieu qui met l'écriture de côté ne réussira jamais dans tout ce qu'il entreprendra. C'est pourquoi dans nos vies, il y a beaucoup d'échecs. Quand les gens n'arrivent pas à faire la différence entre leurs émotions, leurs émotions,
les humains, les sentiments, parce que les émotions ne sont pas les pitiés. Les sentiments, ce n'est pas les pitiés. Devant ta femme, devant ton mari, dans votre maison, dans votre église, chaque pas que tu veux mettre, tu dois, est-ce que l'écriture est derrière ces pailles? L'affaire que je vais faire avec quelqu'un, est-ce que l'écriture me demande de le faire? Ce que je vais parler maintenant, est-ce que l'écriture est derrière moi? Je vous informe que chaque fois que l'écriture sera derrière toi, tu seras combattu par des milliers de personnes, mais ils ne résisteront jamais. Les sorciers peuvent se réunir. Les magiciens peuvent se réunir. Les jaloux peuvent se réunir. Les gens de mauvaise foi peuvent se réunir. Toi, reste dans l'écriture. Si tu as l'écriture, l'écriture va gagner. Tu ne te feras pas de soucis. L'écriture, c'est la vérité. Les versets que nous venons de lire, hier nous avons parlé que maintenant ce n'est pas le moment aujourd'hui de nous raconter les quatre royaumes qui se sont succédés selon la prophétie de Joël, Joël 3:26, parce que ces quatre royaumes-là, c'était en Israël. Ce n'est pas mauvais de nous informer. Parce que quand la prophétie vient, la prophétie vient dans le temps. Or, nous avons trois temps. Conformément à la Bible, nous avons que trois temps. Premier temps, Seigneur. Deuxième temps, c'est aujourd'hui. Troisième temps, c'est demain. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Dieu que Israël a connu là, c'était Jésus-Christ. Le Dieu que nous prêchons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui sera prêché demain, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons trois temps. Mais toi, tu dois savoir, tu es le peuple de quel temps? Voici le pourquoi du soleil. Le Seigneur avait créé les luminaires pour que les luminaires fassent entrer les gens dans le temps. Maintenant, dans le temps, je prends la prophétie. Nous avons trouvé que quand Jésus rencontre Nathanaël, Jésus a parlé avec Nathanaël dans ses langages. Voici l'homme dans lequel en lui il n'y a pas de fraude. Ça c'est la parole de Jésus. Il parlait du présent de Nathanaël. C'était un temps, temps d'aujourd'hui. Maintenant Nathanaël a voulu remettre Jésus dans un autre temps. Nathanaël va poser la question à Jésus. Comment tu connais ces choses? Jésus va maintenant rentrer dans son temps. Il a dit à Nathanaël, avant que tu sois ici, je t'avais connu. Ce qui veut dire
recueillir les gens qui ont servi Dieu. C'était, on les appelait les sacrificateurs. Les sacrificateurs et les prophètes, c'était eux qui ont enseigné en Israël. Est-ce que je me fais comprendre? Frère, les choses que nous prêchons, moi j'ai toujours prêché pour les enfants de Dieu. Je ne prêche pas pour les ramassis, tous les gens qui viennent, qui n'ont rien à voir avec cette parole. Non, nous, moi personnellement, ces gens-là ne m'intéressent pas. Même si j'ai que deux personnes qui viennent avant, celui qui dirige la prière me donne, je vais parler à ces gens-là. Je n'ai pas besoin des gens qui sont dans la formalité. Alors retenez déjà trois temps. Les trois temps, donc hier, aujourd'hui et éternellement. Le culte de la manière que ça a été célébré hier. Hier, on célébrait culte. Les prophètes parlaient de la part de Dieu. Les serviteurs hier, on les appelait les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, la nouvelle alliance, on n'appelle plus les serviteurs de Dieu les sacrificateurs. Pour toi et moi, nous ne sommes pas encore les temps des sacrificateurs. C'est pourquoi si vous voyez une église où on a écrit les royaumes des sacrificateurs, sachez que ce sont les gens qui ont diable. Parce que Dieu a déjà quitté l'ancienne alliance et il est dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été effacée. Ce qui est resté, c'est le budget. Aujourd'hui, le Seigneur dira que il n'y a plus de gens appelés des sacrificateurs qui doivent travailler pour vous faire. Tandis que la Bible dit, il a fait de tous ceux qui ont cru en Jésus les royaumes des sacrificateurs. C'est-à-dire, pour des personnes qui a reçu Jésus, il est automatiquement sacrificateur. Mais les serviteurs d'aujourd'hui ont une autre mission. Ce n'est pas la même mission qu'avait le sacrificateur hier. Donc toi et moi, nous ne sommes pas les gens de cette époque-là. Et toi et moi, nous sommes les gens de cette époque nouvelle. Aujourd'hui, suivez-moi bien. Aujourd'hui, maintenant les serviteurs d'aujourd'hui, Dieu les appelle les ministres. Les ministres, ce sont eux aujourd'hui. Leur mission, c'est quoi? La mission des ministres, c'est amener le peuple à la perfection. Préparer le peuple qui est fiancé aujourd'hui, demain qui sera l'épouse de Jésus, la préparer pour rencontrer ce jour-là son mari qui est Jésus. Et aujourd'hui alors, on ne peut pas rester prêcher hier. Mais non, Jésus, quand il parlait d'hier, il prenait hier comme le témoignage. Mais il parlait d'aujourd'hui. C'est pourquoi hier, les prophètes Joël, les prophètes Daniel, tous ces prophètes
allait venir à l'Israël. C'est bien de nous informer cela. Mais aujourd'hui, l'épouse, les ministres de Dieu ne doivent pas rester. Il y a eu le royaume de l'Afghanistan, il y a eu le royaume de l'Afghanistan. Parce que vous nous parlez d'hier. Vous nous parlez d'hier. Mais alors, quand tu as fini ça, mais pour nous, le peuple spirituel, parce que nous, on est spirituel. Hier, le peuple d'hier, de cette époque-là, quand il croise quelqu'un, un homme lui fait mal, il se donne le coup. Cela n'était pas interdit. Quand quelqu'un te fait mal, c'est chair en chair. Ça n'a rien de l'esprit là-dedans. Parce que c'était ça le royaume. À leur temps. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est le verset que nous venons de lire. Nous ne luttons pas contre la chair. Non. Et le sang. Mais la Bible dit que nous luttons. Nous avons aussi une armée qui nous combat. Qui va te combattre? Les combats que tu auras. Ne pensez pas dans ta tête. Jésus-Christ a gagné à la croix. D'ailleurs, c'est mal de prêcher. Les gens prêchent mal. Ce qui s'est passé à la croix, Dieu nous fera grâce. Mais je venais parler de deuxième temps. Ça, c'est le temps passé. Nathanaël, je t'avais commis. Mais maintenant, à cette époque ici, je sais ce que tu es, Nathanaël. Regardez, frère, comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, notre combat, la Bible dit que dans l'alliance dans que nous sommes, toi tu es le peuple d'aujourd'hui. C'est ainsi que quand tu verras les gens, appeler les hommes de Dieu, porter des soutans. N'allez pas poser des questions à ces gens-là. Et vous, les hommes de Dieu, pourquoi vous portez des problèmes? Pour que c'est un homme d'hier. L'homme d'aujourd'hui, le serviteur ministre d'aujourd'hui, ne portera plus les soutanes. Ne mettra plus les monnaies. Ne portera plus la croix. J'aime les hommes sincères. Quelqu'un qui a la facilité de dire ce qu'il connaît. Quelqu'un qui ne cache pas ce qu'il connaît. Mais quelqu'un qui confesse ce qu'il connaît. Quelqu'un qui ne change pas. Vous savez pourquoi je dis ça? J'ai aimé, il y a un certain mouvement qui est sorti là pour la sincérité de ce mouvement-là. Il s'appelle Jésus Sacerdote. Donc il s'habille comme des prêtres d'hier. Et les prédications, ils enseignent sacerdotat. J'aime leur sincère, mais plutôt j'aime leur sincérité, parce que ces gens-là confessent clairement que ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, sans le savoir. Mais nous avons les problèmes avec Jésus-Christ.
Quand vous entrez dans la nouvelle alliance, bien aimé, il faut comprendre cette alliance-là. Afin que les choses changent dans nos vies. C'est ça ce qui est très important. Il ne faut pas confondre les époques. Ne confonds pas. Tu dis aux gens que tu es le royaume. Mais entre temps, tu vis comme un homme. Tu y es. Mais rien ne changera dans ta vie. Prends la position. Tu es de ce royaume ou tu es du royaume passé. C'est ça l'obstacle qui nous empêche d'expérimenter la puissance et le pouvoir de Dieu. Ainsi la Bible dit, tous ceux qui sont entrés dans ce royaume, vous avez une armée qui vous condamne. Tel que tu es là, quand je prêche, je parle pour toi et non pas pour l'autre. Si tu vois l'autre, c'est un danger pour toi. Écoutez bien, frère, nous sommes dans ce royaume. Dans ce royaume ici, il y a quatre armées. Il y a quatre puissances qui vont t'attaquer. Je veux que tu comprennes d'abord ça. Tu as un combat. Depuis que tu t'es engagé dans ce royaume ici, le combat a commencé. C'est pourquoi nous avons vu hier. Le Seigneur qui est le propriétaire de ce royaume, écoutez comment il dit, prenez les armes. Vous savez que je suis en train de me rendre compte que dans nos églises, j'ai parlé avec un ministre de Dieu aujourd'hui. Je lui ai fait voir nos églises souffrent parce que des frères et des sœurs ne prennent pas les armes. Et je lui ai fait voir les troubles, la vie. Les troubles dans nos vies, dans nos églises, dans nos situations, et dit parce que Dieu nous a dit prenez les armes, mais vous ne voulez pas prendre les armes. Si le Seigneur te dit prends les armes, il sait que il y a une armée qui viendra t'attaquer. Et il te dit prends les armes. Si tu ne prends pas ces armes à faire, personne ne combattra pour toi. Même Dieu ne viendra jamais combattre pour toi. Le problème est de prendre d'abord les armes. Si tu ne prends pas les armes, tu seras la proie. Tu seras la proie de ces quatre puissances. La première puissance, c'est la domination. Deuxième puissance, les autorités. Troisième puissance, le prince des ténèbres. Quatrième puissance, c'est les esprits méchants dans le lieu. Voilà l'enseignement que l'Église doit recevoir aujourd'hui. Si vous prêchez bien, les gens vont prêcher bien. Il y a eu quatre royaumes qui se sont succédés. Attention. Aujourd'hui, ce n'est plus ces quatre royaumes. Aujourd'hui, c'est un seul royaume. Un seul royaume. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, là où il y avait l'ambassade
comme l'apôtre Paul dit. Il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là, les dieux de ce siècle. C'est pas, on ne parle pas de Jésus. Ça, c'est tout un royaume. Et dans ce royaume, il y a quatre puissances qui agissent. En plus de royaume ici, je vais être compris. Ma sœur, écoute-moi. Pour ton époque, tu ne vas pas combattre avec ta sœur. Tu ne vas pas combattre avec ton frère. Tu ne vas pas aimer ta femme. Tu ne vas pas combattre avec ton mari. Mais il faut osoir bososoli. Il faut que tu comprennes. Qui est ton adversaire? Et savoir bien le frapper. Avant d'y arriver, quand notre époque prendra fin, c'est-à-dire notre temps quand ça prend fin, comment ça va prendre fin? Jésus-Christ reviendra. Vous connaissez tout ça. Il reviendra dans les airs et il nous prend. Nous irons aller dans la maison où il est en train de préparer pour nous. Je vais parler lentement là-bas pour la meilleure compréhension. Quand vous allez là-bas, pendant ce temps-là, cette époque prend fin. Vous savez pourquoi aujourd'hui Israël ici? Regardez, vous voyez Israël. Il n'a rien à voir avec l'évangile que nous prêchons. Quand les vrais juifs viennent nous voir comme ça, les juifs se moquent de nous. Ils sont en train de prier un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Vous savez pourquoi? Mais regardez Israël, sont forts Israël. Ils fabriquent les armes tous les jours. Ils ont des usines, des ingénieurs, des savants en train de faire que les instruments pour tuer avec. Son ennemi, c'est l'Iran. Prenez exemple l'Iran. Israël n'a jamais voulu que l'Iran ira doter des bombes nucléaires. Et Israël dit, si Iran est doté de bombes nucléaires, c'est pour nous attaquer. Alors pour Israël, avant que Iran soit doté de bombes nucléaires, Israël ira détruire ces usines-là. Mais comment d'Israël là reste physique? Un juif ne pardonne pas. Quand tu le fais mal, quand il a l'occasion, il te tue. Et ce sont des politiciens. Nous croisons les politiciens. Les politiciens vous disent, en politique, il n'y a pas de pardon. Si vous voulez pardonner, et aussi ça, allez dans l'église. Ils disent, s'il faut pardonner, allez dans l'église. Un politicien, quand il a l'occasion de t'écraser pour son pouvoir, s'il faut te poisonner, de ta patronne. S'il faut te tuer, va te tuer. Ça, c'est le juste. Mais toi, tu dois savoir pourquoi tu es dans l'église. Et tu es de quelle époque? Quand le
le peuple sera enlevé, quand Jésus-Christ reviendra prendre ses enfants, c'est ce qu'on prêche, on dit l'enlèvement. Quand nous serons partis, c'est le jour où l'alliance prend aussi fin. C'est-à-dire la lutte spirituelle. Quand la lutte spirituelle prend fin, la lutte, c'est ainsi que vous voyez Israël ici fabriquer les armes et acheter encore des armes. Il se prépare pour des grandes guerres. Elle se prépare pour la guerre. C'est pourquoi les prédicateurs nous ont prêché ici. L'Armageddon, Gog et Magog, ça ne sera pas un combat spirituel. Et ça sera des guerres à guerre. Des armes qui vont retentir. C'est ainsi que quand vous lisez la guerre à guerre, quand vous êtes à la télé, vous voyez la guerre. La guerre de l'Ukraine. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Vous verrez que la Russie, pour montrer ce mystère, il montre ses bombes, ses missiles. Et puis il appelle ça Satan. C'est pas en fait qu'il a appelé ça Satan. Parce que même lui est un ennemi du Nord, il combattra sous la puissance du Satan. Mais permis par le Seigneur Jésus. Aujourd'hui et éternellement. Frère, tu veux me dire un truc? Si tu fais une erreur, vous prenez quelqu'un à cette époque-là. Vous prenez quelqu'un, vous les gardez. Une personne qui est recherchée, vous les cachez. Si ceux qui cherchaient cet homme, je ne trouvais que tu l'avais caché. Et cet homme-là, et toi, vous mourrez ensemble. C'est ça les alliance. Sauton en sauton. La chair avec au petit du côté, au petit gauche, au petit droite. Au finir, la somme. On te suit. Au petit nez, on a bêté au chien. Et c'est ça. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et un frère qui dit qu'il est de cette époque ici, qui manifeste de tels comportements, même s'il dit, il cite le nom de Jésus dans sa bouche, sachez que c'est un menteur. Il n'est pas dans la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est cette alliance nouvelle. L'alliance nouvelle s'exprime par ses comportements. Alors si tu es de cette époque, ne pensez pas que toi tu n'as plus la guerre. Tu n'as pas la guerre. Non. Tu as la guerre. Tu as les combats. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prenez les armes. Donc, ne faut pas prêcher. Vous prêchez hier. Vous arrivez aujourd'hui. Vous parlez seulement de l'enlèvement. Et vous revenez encore. L'Armageddon et tout console. Mais pour nous, les peuples d'aujourd'hui, notre combat, il est comment? C'est ça. C'est que le pauvre, c'est que le ministre aujourd'hui, de prêcher. Et les choses vont.
regardez, frère. Maintenant, on dit que nous ne luttons pas contre la chair. Quand j'entre dans les assemblées, les églises d'aujourd'hui, qui enseigne l'enlèvement, qui enseigne l'armageddon, qui enseigne les révélations, qui enseigne les prophéties, qui épate les gens par la connaissance. Et quand vous entrez, le frère et la sœur elle-même, dans sa maison, parmi ses frères, vous sentez qu'il n'y a rien. Vous sentez qu'il y a la lutte interne. Celui-là, combat celui-là. Celui-là, même pas celui-ci. Et ils sont même capables de créer les troubles dans l'église. Pour que la famine entre. Bonheur des autres qui leur font du mal. Tu as ta femme à la maison, tu as ton frère dans la famille. Quelqu'un a dit cette chose-là. Tu as ta femme à la maison, tes frères et tes soeurs. Nous avons même dans nos familles, selon les enseignements prêchés par le diable, on est en train de vous faire voir que c'est ton oncle qui te fait ça, c'est ta tante qui te fait ça, c'est ton frère qui te fait ça. L'église qui prêche ces choses cite aussi le nom de Jésus. Les prophètes qui parlent de ces choses cite le nom de Jésus. Et vous voyez que les gens qui prient n'approchent pas leurs frères, sont des ennemis de leurs frères dans la chair, les ennemis de leur maman dans la chair. Ils ne les visitent même pas parce qu'on leur a dit que ce sont des sorciers. Et même dans l'église, il y a des menteurs qui peuvent rentrer ici, commencer à dire ce frère là est sorcier, ton problème c'est quoi? Mentir au nom de la prophétie et créer la séparation entre tes frères, et il est nourri ainsi. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Ce n'est même pas ta maman qui est ton ennemi. Ce n'est même pas ta sœur qui est ton ennemi. Tu dois connaître l'adversaire et prier avec précision. Prier avec précision. Celui qui connaît son adversaire ne sera jamais détruit. Ne sera jamais détruit. Je veux te dire, ma soeur, mon frère, depuis que tu t'es engagé dans le Seigneur, tu dois savoir que il y a un royaume. Et dans ce royaume-là, les combats commencent. Et je veux te dire, je prends le verset en question. Jérémie chapitre 9 et chapitre 1. Verset 19. Ils vous feront la guerre, mais il ne vous vaincra jamais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Seigneur dit, la guerre est dans ta porte. Dans ta porte là, il y a une guerre. Et il te dit, prends les armes. Quand vous prenez les armes, Dieu est derrière les armes. Donc, tu mets en pratique la manière que Dieu t'a montré de pratiquer les armes. Et la main de Dieu est derrière toi.
Et maintenant, comme je disais, que toi, Jésus Missotérel, tu dois dominer. Toi, tu n'es pas une Missotérel. Mais toi, tu es une église. Et la promesse concernant l'église, les royaumes qui t'aiment ne prévendront point contre l'église. La mort, le séjour de mort, jamais ne pourra jamais te dominer. Mais pourquoi Dieu avait dit ça? Parce qu'il savait que il a donné à l'église le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas. Non! Je voulais ajouter un truc. Le Saint-Esprit, ce n'est pas aussi les Écritures. Frère, vous pouvez rencontrer un frère puissant dans les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Beaucoup, pas avoir le Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit que les gens prennent à cause de beaucoup d'années qu'il est dans l'assemblée. Toutes les personnes qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour lui, il a déjà le Saint-Esprit. C'est ça le plus grand problème. Et c'est ça la base de nos échecs. Celui qui a le Saint-Esprit, la sauterelle ne peut jamais le manger. Celui qui a le Saint-Esprit va manger la sauterelle. Les 4 puissances là. Le Saint-Esprit, comme je disais hier, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai plus orphelins. Israël a été dominé par ses adversaires parce que Israël n'avait pas un père. C'est nous, c'est le papa là. Qui dit, mais vous, je ne vous laisserai jamais orphelin. Alors il montre que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Quand le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Quelqu'un peut parler en langue, mais il n'a pas de Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un signe pour les croyants. Quelqu'un peut croire, mais il n'a pas de Saint-Esprit. Mais celui qui croit peut raconter l'histoire de Jésus. Celui qui croit peut vous répéter plusieurs versets. Mais le Saint-Esprit est donné qu'au véritable élite de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient à toi, tu sauras que je l'ai reçu aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas à mesure d'expliquer le jour qu'il avait reçu le Saint-Esprit doit se poser la question, est-ce que j'ai reçu? Demandez, toutes les femmes vous diront, dès que la femme est enceinte, même si elle ne sait pas,
Il finira par savoir. Parce que l'enfant est dans le ventre. Quand l'enfant est dans le ventre, c'est toute une personne qui a. Il doit manifester les signes. Vous verrez que la femme, par exemple, ses flux s'arrêtent. Vous verrez que cette femme. Autre personne est entrée. Et cette personne peut déformer cette femme-là. La femme qui était tout droit, vous la voyez, elle n'est plus tout droit. La femme qui marchait vite, vous trouvez qu'elle ne marche plus vite. C'est lui qui est dans la femme. Conduit cette femme-là à sa manière. Comment pourras-tu me dire que tu as le Saint-Esprit? Mais on ne voit pas les signes du Saint-Esprit. Remettons-nous en cause. Parce que si je l'ai reçu, c'est une personne qui parle. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle. Le Saint-Esprit n'a jamais été loué. C'est pourquoi, quand il est venu sur la terre, il a dit, quand je viendrai, les loués parleront. Lui-même le Saint-Esprit parle. Psaume chapitre 15. David dit, ils ont des dieux qui ont des bouches, mais ne parlent pas. Mais toi, notre Dieu, tu as la bouche et tu parles. Tu parles. Maintenant, vous allez trouver un frère qui va vous dire, mais papa, la question que tu as dit là, concernant le Saint-Esprit, papa, tu as dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'écriture. Oh, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Le frère là, c'est versé là, je ne vois me donner ce verset. Le frère dit, mais la parole que vous avez écoutée est esprit. Attention, la parole, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'écriture tue, mais l'esprit vit. L'esprit donne la vie à l'écriture. Et on appelle ça la parole. La parole, c'est l'écriture avec l'esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, la Bible déclare ceci. Il est donné pour empêcher l'Antichrist de te dominer. Le Saint-Esprit est donné pour que les sauterelles ne te mangent pas, mais que toi tu dois manger. Toi, on ne doit pas te dominer, mais toi tu dois. Mais tu vas dominer. Quand on dit dominer, tu passes dominer ta femme, tes enfants, à dominer dans l'église, dominer des frères, dominer des sœurs. Non, dominer sur quatre puissances. Et regardez maintenant, frère, comment cet esprit agit. Je viens vous dire, c'est le seul cavalier. Quand vous entrez dans l'Apocalypse, on nous dit que quatre chevaux, mais mon
un seul cavalier. C'est lui qui vient dans la couleur blanche. C'est lui-même encore. Pour changer russe. Il vient dans la couleur noire, roux, pâle, plusieurs couleurs. Tandis que c'est lui-même. Alors qu'est-ce que nous voulons dire, Père? Dans les royaumes d'aujourd'hui, c'est Satan. C'est Satan. Je vais dire au Seigneur, quand vous allez chez Israël, tu dis à Israël, Satan, Satan. Mais je suis décompéré par ça. Mais les ennemis, c'est les frères des Philistins. Mais les ennemis, Amalek. Mais les ennemis, d'autres les nations. L'histoire de Satan n'est pas dans leur discours. Mais le problème de Satan aujourd'hui, Dieu l'a révélé à toi et à moi. Que tu comprennes que Satan existe. Et Satan n'existe pas pour ton bien. Non, Satan n'existe pas pour le bien de l'église. C'est lui-même qui a dit ça. Regardez comment Jésus dit. J'ai foyé Satan des temps. Jésus, qui est venu pour sauver l'église de l'esclavagisme de Satan. Une fois Satan des temps, Jésus lui-même voit Satan des temps. Et il dit à ses disciples, je vais vite de ça comme un éclair. Il n'a pas dit comme une lumière, en réalité, c'est pas une lumière permanente. Jésus qui parle. Que Satan est descendu. Il a averti son peuple. Il est venu. C'est utiliser chaque esprit. Chaque esprit à son temps selon tes besoins. Mais chacun de nous, nous tous nous avons un combat, mes chers bien-aimés frères. Toutes ces églises ont un combat. Mais chacun de nous a un combat différent de l'autre. Peut-être toi, Satan va envoyer des esprits méchants. Peut-être toi, il envoie des autorités. Peut-être toi, il envoie les princes. Nous n'avons pas le même combat. Le combat, c'est du fait. Et tu dois connaître ton combat et où? Comment Jésus t'a attaqué? Si moi le combat que moi, Carlo, je ne vais pas avoir. Et que je combats. Toi, tu veux combattre selon mon combat. On va t'écraser. Toi, tu dois connaître ton combat. Moi, je dois connaître mon combat. Chacun combat selon l'adversaire qui est devant lui. Est-ce que je me fais comprendre? Je voulais dire ceci, frère. Nous sommes combattus.
Mais le premier échec, pourquoi nous échouons dans le combat? Parce que tu ne sais pas discerner ton combat. Toi maintenant tu regardes les hommes et tu attaques les hommes. Mais le Seigneur t'a donné l'arme pour gagner dans le combat. Première arme. Le Seigneur connaissant que le combat n'est pas physique. Il a pris ce qui est aussi invisible. Il a placé cet esprit en toi. Il n'y a que c'est l'esprit là qui peut combattre d'autres esprits. C'est pourquoi je demande aux frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Lève-toi, cherche le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu l'auras. Si tu n'étais pas baptisé au nom de Jésus, même si tu étais baptisé au nom de Jésus, lors de ton baptême, tu as fait un faux engagement. Tu as menti. Même pour confesser, tu as menti. Retourne. Vois les hommes de Dieu. Dis-le. Je suis devenu la proie de tous les insectes. Je comprends mon problème. Lorsque je prenais mon baptême, j'avais caché des choses que je ne pouvais pas parler. Pour te donner le vrai baptême. Et à part ça, tu peux être baptisé, mais il faut attendre la prière. À part la prière, il faut écouter peut-être la parole. Un frère a été baptisé. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient au nombre de quatre. Quand ils sont sortis dans l'eau, tout le monde a parlé avant. Et on leur a dit que lui, donc ils sont ici le Saint-Esprit. Mais le frère, l'autre frère là, il n'a pas voulu imiter à la langue. Il avait honte, tant pis, il avait honte. Que je parle aussi à. Ouais, il pensait comme ça. Il voulait imiter pour montrer qu'il a le Saint-Esprit. Après, il a dit non, je n'ai pas, je n'ai pas. Parce qu'il y a des gens que nous avons connus à notre époque. Quand les gens parlent en langue, lui commence à parler en langue. Parce qu'à cette époque-là, si tu ne parles pas en langue, c'est honteux pour toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais j'ai toujours aimé ces frères-là. Il a persévéré. Effectivement, il dit qu'il n'avait pas de soin. Il n'avait pas réussi la Saint-Esprit. Les frères suivaient la prière. Écoutez la parole tous les jours. Un jour, à 16h, un prédicateur prêchait, enseignait. Automatiquement, une puissance est entrée en lui. Il commence à parler là. Et en parlant là, il a commencé à dire des choses. Et on a interprété. Il a vécu cette expérience. Et dans la vie, le Saint-Esprit commence à se manifester. Le Saint-Esprit a des signes. Mais comme, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, même s'il dit qu'il a le Saint-Esprit, nous verrons aussi ces signes. Mais il y a un verset que je voulais terminer avec. C'est le verset que j'ai donné hier. Et j'ai donné Esaïe chapitre 9, verset 5. Ah, les gens lisent ces versets-là. Mais le mystère qui est dans ces versets, les gens ne le savent pas. On dit, le fils nous est né. L'enfant nous est né. Le fils nous est donné. On lui donnera. On cite tous ses noms.
Cela ne m'intéresse pas. Mais on dit, la domination reposera sur lui. Ce qui veut dire, avant que Satan se fût de la vienne, la domination n'était pas. Comme il n'y avait pas la domination, dans le camp de Dieu, la domination était ailleurs. Satan, quand il est descendu sur la terre, il est descendu avec la domination. Il est descendu avec la domination. Et la domination qui était sur l'humanité, la domination qui était sur l'humanité, c'est cette domination-là de Genèse. Une personne dominée, comme on a dit hier, c'est quelqu'un qui connaît les troubles. Quand je parle de troubles, c'est quelqu'un auquel le normal n'est plus. La puissance de son ténèbre dominée, il y a une perturbation dans sa vie normale. La domination, c'est prendre le contrôle de l'esprit de l'homme, de son corps, de son âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, ce que je veux faire, j'ai la volonté de faire ça, mais je me rends compte, ce n'est pas ce que je fais. Autrement dit, tout ce que je tente de faire, je vais faire le bien. C'est quoi aussi le bien? C'est marier aussi, c'est le bien. Faire les affaires aussi, c'est bien. Avoir l'argent pour nourrir ses enfants, c'est le bien. Avoir la volonté de travailler, s'acheter des parcelles, c'est le bien aussi. Marcher aussi dans la voiture, que ça ne soit pas seulement la porte, car si c'est le cas dans la voiture, j'aime aussi avoir la voiture, c'est le bien. Je suis un enfant, un homme né comme tout le monde. Pourquoi depuis que je suis venu dans le monde, les gens que j'ai grandi avec, mon père avait les moyens, mais le père est mort. À sa mort, tous les biens de notre papa étant ont pris, les parents ont pris, les oncles ont pris. Et moi aujourd'hui, je me suis comme quelqu'un qui n'était pas né dans la famille où les papas avaient le bien. C'est-à-dire, les soucis de faire le bien, les soucis d'avoir le bien. Mais il dit, je vais le faire, mais je me rends compte que ça ne tourne pas. J'ai étudié, j'ai fait des licences, j'ai étudié comme tout le monde. Je veux faire le test à part du travail.
Mais ce travail-là ne m'arrive pas. Mais cet homme avait compris. L'apôtre Paul révèle dit ceci. Ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce qui m'arrive. Mais dans l'évangile éternel, on doit expliquer ces choses aussi. Pour que la promesse qui dit, nous avons crié en Jésus pour la vie éternelle et pour aussi les choses terrestres, que cette parole-là devienne une vie à nous. Ce n'est pas ce qui m'arrive. J'ai l'argent. Je peux avoir 15 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Je donne la dîme. Je m'offre. Mais cet argent, je tourne avec. Je tourne avec. Et cet argent ne prospère pas. Par contre, je découvre. Ça commence à régresser. Et un jour, je reste dans l'histoire. J'avais. Nous avons touché. Je reprends encore l'expérience. Je l'ai encore. J'avance. Notre bien-aimé Noël qui a fait son amour. Il dit je marche. J'ai fait mon choix. J'avance. Mais j'avance. Quand j'avance, je me retrouve encore avec un problème. Tout cet argent que j'avais, je le perds. Je commence à régresser. Fais attention. Le pressing est là. Tu es sous contrôle d'une puissance. Parmi les ennemis là, la domination. C'est-à-dire, ce que tu veux devenir, tu ne deviens pas. Mais ce que tu ne veux pas être, c'est ce que tu es. Mais non pas seulement dans les domaines spirituels. Mais c'est dans tous les domaines. Révolte-toi, ma sœur. Révolte-toi, mon frère. Qui me sauvera de cette situation? Bien-aimé, vous savez qu'il y a des frères qui se retrouvent dans cette situation. Un homme qui est dominé. Cet homme-là. Que ça soit matériellement, vous pouvez les voir bien habillés. Vous les voyez bien habillés. Vous êtes en train de l'en vouloir. Ou si je peux m'habiller comme lui. Mais à part les habits qu'il a là, il est sous domination. Tu es contrôlé. On dit que les choses ne marchent pas. La dîme tu donnes. Il arrive que le jeune tu le fais. Mais ton papa avait beaucoup de moyens. Tes parents avaient beaucoup de moyens. La Bible déclare tel père, tel fils. C'est toi qui es l'héritier. En Israël, quand le papa a des moyens, l'héritage pour les enfants, ça continue comme ça. Parce qu'il prospérait. Quand tu es sous la domination, tu ne vas pas prospérer. Satan va faire un truc. Tu avances, après tu t'arrêtes. Et tu commences à rentrer. Tu rentres encore. Tu t'arrêtes. Et puis tu vas à droite. Tu vas à gauche. Un jour tu mets comme ça. Et c'est, regarde ce que le diable vient te dire maintenant. Le diable viendra te dire c'est ton père qui est à
à la base. C'est là où la magie entre. Voilà, la divinité entre. C'est pourquoi beaucoup d'églises ici sont, bon, les églises sont pleines de gens qui ne vont pas aller chercher le royaume de Dieu. Ce sont les gens qui ont les cas qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ne peuvent même consulter les sorciers. Et nous les avons même dans nos églises ici. Et on va commencer à lui dire, viens, fais l'offrande, viens, consultation prophétique. Dans cette consultation-là, on fait voir cet attente, ça nous fait des cérémonies. Et on commence à dire des choses, l'homme qui est sous la domination, une chose sera qu'il sait. Tu t'habites difficilement. Et on commence à te dire, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur. Et quand on dit ces choses, on t'amène dans les combats charnels. Tu commences maintenant à combattre ta soeur dans ton père. Que Dieu l'emporte au nom de Jésus. Ma mère s'appelle, qui ma mère s'appelle Chantal. Chantal, au nom de Jésus. Au petit petit maman, au nom de Jésus, la situation reste toujours là. C'est la domination. Quand Jésus est venu à la croix, la Bible dit, il a déplié les dominations. Déplié ne veut pas dire il a chassé les dominations. Non. Déplié veut seulement dire tu peux t'en sortir. Dans cette situation-là, afin que ce que tu veux devenir, ce que tu veux être, que tu le deviennes. Amen. Aussi mon bon, aussi 100 000 francs. 100 000 francs. Aussi moi 100 francs. Tu 100 francs. Moi 100 francs. Gagne 100 francs. Il y a quelqu'un qui peut prendre le sang là. Il commence à tourner. L'homme est venu à soulever ma parole. Mais yo suis aidé. Au son de Ngouba. Au béni docteur Kalo. Au laissé Yengouba. Au le béni Kala Lessa. Au laissé ma pays. Comme ça, on n'a pas de problème. Mais Christ a déplié. Révolte-toi aujourd'hui. C'est pourquoi je dis au frère, quand tu viens dans l'église, frère, ma sœur, tu ne viens pas pour quelqu'un. Les gens que nous croisons dans les églises, nous les avons croisés. Tu es appelé seul. Attache-toi à Dieu pour que te délivre. Et il y a aujourd'hui une situation. La domination. C'est-à-dire, retenez bien, tu deviens l'esclave d'une puissance qui t'impose. Même inconsciemment, tu te poses des questions. C'est comme ça que Paul s'est posé la question. C'est que Jésus.
les yeux au ciel. Il a pris l'arme. Tu as l'arme pour te décanter de cette situation. Mais bien aimé frère, ne crois pas que c'est la fin du monde. Non. Jésus a la capacité. Je te le dis. Jésus Christ a la capacité de dompter, de te bénir. Jésus-Christ sera derrière et tu rendras gloire à Jésus-Christ. Je te fais.